Donc, moi, c'est sur la demande et l'entretien clinique préliminaire à l'examen. Et donc, l'entretien, vous le savez, vous m'entendez bien là? J'ai l'impression de... Oui, ça fonctionne. L'entretien, dans le cadre de l'examen psychologique, il a évidemment plusieurs fonctions. Tout d'abord, vous le savez bien, c'est faire connaissance avec le sujet et, dans le cas des adolescents et des enfants, avec leur famille, évidemment. Obtenir des informations, mais aussi partager des informations, repérer des signes cliniques et puis construire des hypothèses. Alors, des hypothèses qu'on va appeler des hypothèses faibles, parce qu'elles sont basées au tout départ sur des éléments comme ça qui sont rapportés, des symptômes, des demandes. Et ces hypothèses vont servir tout de même à orienter l'examen qui commence. Et puis, l'entretien préliminaire, il participe aussi à la construction d'une situation de confiance avec la famille, avec le jeune consultant. Ils vont pouvoir exprimer dans cet entretien leurs interrogations, leurs doutes et puis leurs attentes. Quelles sont-elles? Et de son côté, le praticien, nous allons pouvoir installer une situation qui va nous permettre d'exercer notre travail. En d'autres termes, on pourrait dire que cet entretien préliminaire, clinique, il va nous servir à définir, à préciser le cadre de l'examen qui commence. Alors, un mot sur ma pratique, peut-être, qui est partagée par beaucoup d'entre nous. On peut nommer, si on peut la nommer, je la nomme approche collaborative. Cette approche a comme vocation d'impliquer le sujet, la famille, comme de véritables collaborateurs de l'examen. Et ceci d'autant plus si on a affaire avec des adolescents ou même de jeunes adolescents. Cette approche a été développée dans les années 70 par Constance Fischer, qui avait comme objectif de permettre un examen individualisé plus respectueux du contexte de chaque sujet. Et surtout, c'est l'idée qui, moi, m'importe, un examen qui soit plus compréhensible, un examen qu'on explique et dont on rend le sujet acteur de cet examen. Un peu le plan de ce que je souhaite développer avec vous. Les principes, le symptôme d'appel, la demande, le tiers demandeur, l'anamnèse, et puis peut-être vous alerter sur ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et puis dans la dynamique de l'entretien clinique, peut-être ce que je nomme l'au-delà des propos, le narcissisme parental, la présence de l'enfant, le réglage d'empathie, les rapports parents-enfants et les entretiens avec les adolescents. Alors, le symptôme d'appel. Alors, le plus souvent, avant même l'entretien préliminaire, le psychologue a des connaissances, connaît des choses sur l'enfant, le sujet, la situation. Alors, il peut s'agir de quelques lignes qui proviennent du service, d'un appel de la famille, un appel téléphonique, par exemple, ou des propos tenus par un collègue. Je veux dire, on n'est pas vierge, évidemment, quand on débute un examen psychologique. Alors, ces éléments, ils sont parcellaires. Oui. Ils sont parcellaires, ces éléments. Et ils concernent le plus souvent des symptômes qui sont mis en avant et que l'on peut nommer des symptômes d'appel. Vous savez, comme des interpellations, comme des invitations à approfondir. Je me souviens d'une jeune mère de famille qui m'a appelé au téléphone et qui me disait comme ça, d'une formule un peu particulière, « Mon fils s'étouffe sur le plan scolaire. Mon fils s'étouffe sur le plan scolaire. » Évidemment, c'était un symptôme d'appel, une interpellation pour que je m'inquiète un peu plus, que j'aille plus loin. En fait, ce qu'elle aurait voulu dire, qu'elle n'a pas pu dire, qui faisait écran, c'était « Mon fils... est-ce qu'il ne présente pas une pathologie? Nous sommes inquiets. » En miroir, les familles ont presque toujours accès à des informations avant l'examen, sur le psychologue, sur l'examen et sur les outils. Alors, ça peut être le bouche à oreille, la recherche sur Internet, la recommandation de la part d'un professionnel, vous connaissez bien ça. Un jour, un père récemment m'a bien recommandé, lors de l'entretien préliminaire, il m'a bien recommandé
de bien faire les 5 indices du whisk 5. Hein. M'a dit le nouveau whisk 5 indices et donc voilà. Alors je me suis bien engagé à les calculer, à les interpréter. Alors à cela s'ajoutent souvent des représentations qui sont accolées à notre profession, un professionnel qui serait détenteur d'un certain savoir ou d'une capacité d'expertise, ça reste à voir quelquefois. Hein. Et puis il y a parfois des attentes qui peuvent être déraisonnables, l'attente d'une révélation qui expliquerait toutes les difficultés ou d'une prise en charge unique qui les aplanirait. C'est très classique, hein, la demande. Alors souvent, les demandes sont des questions très larges, des questions très générales. J'en ai relevé plusieurs comme ça de ma pratique. Par exemple, j'ai eu comme demande, vous l'avez eu aussi, faire le point sur le développement de l'enfant. Alors c'est déjà bien large. Hein. Voir ce qu'il en est de sa personnalité. Ça nous laisse aussi du travail. Hein. Alors j'ai encore mieux, hein. Comment se fait-il qu'il ne soit jamais satisfait? Bonne question. Ou encore, une mère de famille me disait qu'elle ne soit pas en échec scolaire et qu'on ne s'énerve pas à la maison. Alors là, c'était tout un programme auquel j'ai essayé de répondre. Alors j'en ai d'autres. Il ne sait pas apprendre, son intelligence vive l'a desservi. Et puis, à l'inverse, vous avez eu aussi, moi j'en ai eu quelquefois, des demandes qui sont très précises et qui ne laissent pas d'espace, qui ne laissent pas d'espace pour nous. Par exemple, faire son QI. Alors là, c'est extrêmement précis. Hein. Voir s'il n'est pas précoce. Ou alors encore, faire un point sur son trouble oppositionnel. Vous voyez, le diagnostic est posé et on nous demande de confirmer, là, plutôt. Alors, dans d'autres cas, les premières formulations... ont quelquefois évoquent des symptomatologies excessives qui font obstacle à la clairvoyance des proches et parfois même des professionnels. Par exemple, est-ce qu'il est normal? J'ai peur qu'il ne devienne schizophrène comme son oncle, alors qu'il n'a que 5 ans et il nous montre une forme d'intolérance à la frustration, par exemple. Alors c'est bien entendu à nous de comprendre la logique de cette demande qui nous est adressée. Quels en sont les éléments rationnels, explicites, quelles sont les questions posées, quelles peuvent être les motivations sous-jacentes, les non-dits. Alors ce travail d'analyse de la demande, qui est le béaba de notre travail, il est d'autant plus important dans l'examen psychologique, dans le cadre de l'examen psychologique, que la démarche de bilan, elle n'a de légitimité que si elle répond à une question posée, à une question qui est identifiée. Il n'existe pas d'examen psychologique pour voir. On ne va pas faire d'examen pour voir, des examens exploratoires. Je vais vous rappeler, je me rappelle d'une thèse de Jean-Yves Chagnon, qui est professeur à Paris 13. Alors, sa thèse de doctorat était intitulée « Le pronostic à la préadolescence ». Et c'était une étude longitudinale avec des sujets non consultants. Et il la poursuit depuis 20 ans, ça, maintenant, avec des jeunes adultes. Et la grande surprise de ce travail était de montrer, de rencontrer des jeunes adolescents, puis après de jeunes adultes, qui auraient pu paraître, avec les bilans projectifs, avoir une pathologie. Les bilans projectifs étaient assez étonnants. Il y avait, pour Orchard, TAT, vraiment des éléments qui pouvaient sembler pathologiques, alors que dans le réel, cette cohorte fonctionnait bien, était adaptée. Et il les suit depuis très longtemps, il les revoit encore. Maintenant, ils ont autour de 25 ou 30 ans. Tous les 3, 4, 5, 6 ans, il envoie une invitation à venir le voir. Et on voit bien que ces gens continuent de bien fonctionner. Donc, ils sont comme vous, comme moi. Et on voit bien à ce moment-là que l'examen psychologique complet, c'est un outil puissant qui est là pour répondre à des questions, pour penser des difficultés, mais il ne peut pas être un outil, un dispositif qui serait exploratoire de la normalité. On ne peut pas faire d'examen psychologique comme ça pour voir. Il faut faire des examens en réponse à une question. Alors, on a les familles, dans ces entretiens préliminaires, nous livrent une symptomatologie souvent qu'on pourrait appeler brute. Donc, on doit discuter cette symptomatologie.
qui est livrée avec l'enfant ou l'adolescent, et puis bien sûr la replacer dans la dynamique du développement. Un symptôme n'acquiert de sens que dans cette dynamique, et bien entendu savoir prendre de la distance par rapport à des symptômes qui se manifesteraient bruyamment, je veux dire, qui sont très très visibles, et puis évidemment, à l'inverse, ne pas se négliger du tout ceux qui seraient à expression plus discrète. Alors le tiers demandeur, pourquoi on va parler de tiers demandeur? Parce que les enfants et les adolescents sont très très rarement, hein. J'ai mis deux très très avant rarement, ils sont très très rarement demandeurs d'un examen psychologique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir des enfants qui vous le demandent, peut-être des adolescents et pour la précocité, mais c'est très très rare. Ils prennent jamais, presque jamais naturellement, d'eux-mêmes la place de sujet. La place de sujet de l'examen doit être co-construite avec le professionnel, et parce que l'appropriation de la demande est quand même, nous semble, être une condition indispensable à la réalisation d'un bon bilan. Il faut, même avec des enfants jeunes, essayer de construire avec eux une demande. Donc on va laisser dans cet entretien préliminaire la parole à nos sujets, même jeunes. On va essayer de créer une forme d'alliance autour de la situation, autour du matériel qu'on peut présenter, qu'on peut expliquer. On peut à l'avance donner tous les éléments pour que les parents regardent sur Internet ce qu'est un WISC 5, si on pratique cet outil. Alors, parce que les outils qu'on va utiliser vont, au cours de l'examen qui dure un certain temps, vous le savez bien, ça va être des sortes d'objets transitionnels qui vont devenir le support des investissements des deux partenaires. Robert Voyezopoulos, que vous avez entendu au tout début, en 2013, je ne sais pas, il nous dira s'il fonctionne toujours de la même façon, il s'adresse aux jeunes sujets de l'examen avec une phrase de ce type. « Nous allons voir ensemble comment tu penses, comment tu grandis dans ta tête, comment tu apprends, quelles sont les idées que tu as sur toi, les idées que tu as sur toi et sur ceux qui t'entourent. » Alors, ce sont des propositions qui ont comme vertu, moi, je pense, d'engager l'enfant dans l'examen et qui permettent aussi de ponctuer le bilan de moments de retour sur ce qui a été fait, de prise de distance et puis d'élaboration à deux de ce qu'on a fait et des résultats, dans une certaine mesure. L'anamnèse. L'examen psychologique, vous le voyez bien, va naviguer entre deux bords qui peuvent sembler contradictoires. D'un côté, l'expérience subjective, on en a parlé tout à l'heure, qui est vraiment indispensable, du sujet, de l'enfant, de l'adolescent, de sa famille, de leur famille, leurs interrogations, leurs explications, et de l'autre, la quête d'objectivité concernant les antécédents de l'enfant ou de l'adolescent que l'on rencontre. Alors, une des fonctions importantes de l'examen, de l'entretien clinique, réside donc dans l'accès à des informations concernant le développement du sujet et de son histoire. C'est évident. Alors, on pourrait parler de retour de mémoire, de l'évocation du passé du sujet. Alors, on appelle anamnèse ce retour de mémoire en lien avec la déesse grecque Mnémosyne, déesse grecque de la mémoire. Mais vous savez que ce terme d'anamnèse, il est très utilisé, particulièrement utilisé en médecine, avec une petite différence par rapport à la psychologie, parce qu'en médecine, c'est l'histoire de la maladie et de ses antécédents. Dans notre profession, anamnèse prend le sens plus large de l'histoire de vie du sujet. Son développement personnel, le poids de l'environnement, les antécédents familiaux, et toujours l'histoire, évidemment, de la plainte et des symptômes. Donc, dans cette partie dite d'anamnèse, l'histoire de vie de l'enfant ou de l'adolescent est évoquée avec la famille, avec le sujet lui-même. Toujours important de reprendre avec l'enfant lui-même ce qu'il en est. Et cette évocation peut être réalisée, évidemment, au fil de l'entretien, d'une manière associative, discursive, ou alors plus structurée sur le plan formel. Alors, quelques repères. Évidemment, on s'intéressera aux antécédents périnataux significatifs, aux grossesses, accouchements, accouchements pathologiques, prématurité, aux accidents neurologiques, aux maladies chroniques, aux hospitalisations précoces, s'il y en a eu.
au développement moteur, à la station assise, la marche, l'âge de la station assise, l'âge de la marche, l'acquisition de la propreté, ce qu'il en a été, l'acquisition du langage, deux mots vers un an, association de deux mots vers deux ans, par exemple, troubles du développement, est-ce qu'il y a des troubles du sommeil, des replis sur soi, des mauvaises humeurs, des colères, de l'auto- et de l'hétéro-agressivité. Les facteurs sociaux nous intéressent évidemment, économiques, culturels. Ça peut être le niveau d'études des parents, le bilinguisme, mais aussi tous les autres événements graves. Les risques de maltraitance, de déprivation devront être appréciés aussi. Les modes de garde préscolaires et même la journée de vie de l'enfant nous intéresse. J'ai connu des enfants qui avaient des journées, des jeunes, des très jeunes enfants qui avaient des journées extrêmement longues, avec des familles qui pouvaient faire un peu autrement. J'ai même connu une maman qui se faisait rejeter par son petit garçon de 4 ans et elle allait chercher à la limite de l'horaire de la garderie parce que ça lui était coûteux pour elle de le prendre plus tôt. L'organisation de la vie familiale, les séparations, les résidences alternées, c'est toujours intéressant exactement de savoir comment ça se passe dans le vrai du réel, et la scolarité. On ne peut pas faire l'impasse sur le comportement, par exemple, de la première séparation lors de l'entrée en maternelle, l'efficience dans les premiers apprentissages. Et puis, j'ai noté les troubles de l'attention et de la concentration qui est une fonction qui est transversale. J'ai sûrement oublié des choses. Mais enfin, voilà, c'était des repères. Vous avez les vôtres, on peut s'appuyer là-dessus. Alors, je vous invite à faire attention à ce qu'on appelle le biais de confirmation. Vous le connaissez, la mémoire est souvent trompeuse. La remémoration peut être biaisée. Il faut qu'on se méfie de tout ça. Face à un enfant qui présente évidemment des difficultés que l'on pense avoir identifiées, que la famille pense avoir identifiées, que l'école pense avoir identifiées, eh bien la mémoire va avoir tendance à mobiliser des souvenirs en rapport avec les symptômes qui sont identifiés, des souvenirs qui vont dans le même sens. J'ai connu un enfant dont les enseignants disaient aux parents qu'il était remuant, inattentif. Et bien évidemment, la famille, quand elle était avec moi, elle se souvenait particulièrement de situations de la petite enfance où l'enfant s'agitait, où il était remuant. Il courait en tous sens, il n'entendait pas. Souviens-toi, quand on était en vacances à tel endroit, on l'appelait, il n'entendait pas. Alors, était-ce vraiment des prémices d'une hyperactivité à venir ou en route, en cours, ou bien l'expression du plaisir moteur que l'on observe tellement souvent dans la petite enfance? Alors, les souvenirs étaient réactivés par le thème de la consultation, et c'était des souvenirs spécifiques qui étaient réactivés. Alors, on appelle ce biais le biais de confirmation. Alors, il s'agit d'une erreur épistémologique assez fréquente qui nous touche aussi, nous les professionnels, et qui peut évidemment avoir des conséquences dans le cadre de l'examen. Donc les psychologues doivent faire preuve, ou les professionnels en général, d'ouverture d'esprit, de flexibilité et surtout de résistance. Résistance par rapport à la demande initiale, résistance par rapport à l'attente des tiers qui demandent au nom de l'enfant. Nous devons résister, c'est le principe de la clinique. Alors, dans la dynamique de l'entretien clinique, les familles qui viennent nous rencontrer en situation d'entretien ont souvent des représentations qui sont liées aux entretiens. Elles savent par avance ce qui va se passer. Et alors, certains parents ont une représentation de la psychologie proche d'une psychanalyse vulgarisée où tout doit être dit sans filtre. Souhaitant alors collaborer de la façon la plus efficace possible, ils devancent les demandes, ils devancent nos demandes, et ils vont nous livrer des éléments souvent confidentiels sur leur vie, qu'ils associent aux troubles, aux difficultés présentées par l'enfant. Alors moi, ce que je sais, c'est que là, il faut savoir parfois freiner ces familles dans la confidence, parce que très souvent, l'expérience le montre, ces évocations de confidence, ces confidences données au premier entretien sont souvent source de remords. Après l'entretien, tel ou tel parent va se dire « Mais pourquoi j'ai raconté qu'il y avait des tensions dans notre couple, par exemple ?»
alors que je suis venu pour un... Alors qu'il n'y en a peut-être pas tant que ça, se dit-il. Et peut-être que si le parent a raconté ça devant l'autre parent, peut-être qu'il y en aura. Alors j'ai rencontré aussi, je me rappelle, d'un garçon de 5 ans à qui on a dit que le psychologue pouvait tout entendre. Hein, et qu'il faut qu'il lui dise ce qui ne va pas pour lui. Alors du coup, immédiatement, il arrive, il se pose devant moi, il dit « j'ai eu peur à cause d'un dessin animé, mais que quand je vais aux toilettes. » Bon. Et puis je veux apprendre à lire pour aller au CP. Voilà, je t'ai tout dit, je peux aller jouer, tu peux appeler maman. Voilà, l'affaire est entendue. Mais vous avez connu tout ça. Le plus souvent, les habitudes de consultation, les dispositions d'esprit amènent les familles non pas à penser l'entretien ou l'examen comme de la psychanalyse vulgarisée, mais aussi comme une consultation médicale. Ils vont reprendre le modèle de la consultation médicale avec la présentation des symptômes et l'attente d'une prescription. Donc c'est un modèle qui ne nous convient pas non plus parfaitement. Alors, quand la famille attend de vous une consultation de type médical, elle peut se sentir désorientée si l'entretien apparaît non directif, s'il apparaît discursif, s'il prend les voies buissonnières de l'écoute du sujet. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il peut être nécessaire de réconforter, rassurer les familles sur cette façon de faire et sur la solidité épistémologique de notre démarche. On n'est pas dans une conversation à bâton rompu. On essaye, nous, de suivre le discours, mais on peut leur dire, ne vous en faites pas, on suit le discours. À un moment donné, on évoquera tous les éléments. Et puis, parce que cette approche moins structurée, d'apparence, ouvre aussi des champs aux familles. Alors, il y en a qui vont se saisir de cette ouverture, hein, de ce qu'on pourrait appeler un « au-delà des propos ». Et ça peut évoquer, alors, ça peut nous emmener sur des pistes intéressantes. J'ai pris un petit exemple. Je me souviens d'un garçon de 10 ans qui présentait des symptômes anorexiques. Il grandissait bien, mais il mangeait peu. Et sa mère lui resservait au petit déjeuner ce qu'il n'avait pas terminé au dîner de la veille au soir. Donc, ça dépend ce qu'il mangeait le soir, mais il fallait qu'au petit déjeuner, il continue le repas de la veille. Évidemment, il s'opposait, vous pensez bien. Alors la mère de famille, cette maman, me proposait, me disait-elle, des repas très équilibrés. Alors je lui ai demandé quelle était sa profession. Et alors elle m'a dit qu'elle était chercheuse au CNRS, spécialiste de l'alimentation. Voilà. Et donc pour la première fois, vous voyez, sans que j'en dise beaucoup plus, elle a fait un lien entre sa profession et les symptômes de son fils. En fait, elle portait de manière obsessionnelle l'accent sur l'équilibre alimentaire, sur des produits en plus vraiment bons, qui n'avaient pas de traces ni d'OGM, ni trop de conservateurs. Et elle le laissait tomber complètement le désir qui est lié aux besoins alimentaires. Donc elle laissait tomber ce qu'on appellerait l'appétit. Un mot sur le narcissisme parental, vous le savez, il est forcément engagé, voire entamé, hein, lors des venues en consultation, en bilan psychologique, surtout pour les enfants jeunes. Vous savez, quand vous avez un enfant jeune, même de 5 ans, vous venez dans un bilan, 6 ans, pour les parents, il y a encore si peu de temps, c'était encore un bébé. Et voilà qu'il est rentré à l'école, qu'il a été dans le grand bain, et que déjà la maîtresse d'école a pointé des difficultés, et le voilà devant un psychologue. Alors là, ça devient vraiment difficile pour tout le monde. Hein. Va-t-il réussir les différentes épreuves? Je ne sais pas si vous arrivez de faire des examens d'enfants jeunes en présence des parents, mais vous avez des parents qui ne peuvent pas s'empêcher de donner les réponses pour leur enfant. Va-t-on découvrir un trouble, une pathologie, voire un handicap? Vous voyez, il y a vraiment des questions qui sont graves autour de ces examens. Et puis, cette consultation, ce premier entretien, cet examen, il va renvoyer à la propre histoire infantile des parents. Vous savez, on reçoit des parents qui ont eu des difficultés à l'école, des difficultés graves, longues, ils n'ont pas été compris, ils n'ont été pas très bien traités, et ils voient leur enfant revivre, repartir dans le même... Mais la même histoire douloureuse.
Alors moi, je me souviens, toujours dans les exemples que j'ai pris pour ce matin, d'une jeune maman qui vient me voir pour un bilan concernant sa fille âgée de 5 ans et demi. Alors une fille qui va bientôt rentrer au cours préparatoire, alors une petite fille qui est décrite comme très remuante, n'arrivant pas à filtrer ses propos, à retenir ses réflexions, on voit que tout ce qu'elle pense, elle le dit. Alors on a conseillé à cette maman, cette jeune mère de famille, de venir me voir, alors, en lui disant qu'il fallait qu'elle rencontre un bon professionnel. Alors elle, qui n'avait pas eu de parents attentifs à son développement, qui a ressenti dans la vie une forme d'abandon dans son enfance, elle veut le meilleur, entre guillemets, hein, vous pensez bien, elle veut le meilleur pour sa fille, et comme une réparation narcissique, en tout cas c'est ce que je pense. Alors elle est venue d'assez loin, jusqu'à Paris, et puis elle est très impressionnée devant moi, mais ce n'est pas moi qui l'impressionne, c'est son déplacement qui l'impressionne, c'est cette réparation narcissique. Et elle ne peut pas s'empêcher de pleurer pendant tout l'entretien. Vous voyez, les yeux rougis, quelquefois les pleurs s'arrêtent, ils repartent. Alors j'essaye, moi, d'être bienveillant, d'être chaleureux, mais plus je suis bienveillant, sympathique, chaleureux, plus les pleurs reviennent. Et alors elle finit par m'expliquer que c'est ma bonté qui l'a fait pleurer, hein, entre guillemets. Bon. Alors sa fille, évidemment, elle ne bouge pas, elle est médusée pendant tout l'entretien, vous comprenez bien, alors, médusée par la situation, de voir sa mère comme ça, de m'écouter, elle boit mes paroles. Mais lorsque je me retrouve seul avec l'enfant, avec la fille, elle n'y tient plus, elle a pu retenir ses questions. Alors elle me pose une question, et elle me dit, est-ce que c'est vrai que tu es le meilleur psychologue du monde? Delphine me dit que c'est vrai, mais c'est pas. J'ai pas répondu ça tout à fait. Hein. Bon, mais vous voyez, je veux dire, on voit bien les enjeux par ces petits exemples. Les familles viennent vous voir avec des gros enjeux narcissiques qui dépassent juste la question qu'on se pose au moment de l'examen. La présence de l'enfant dans l'examen. Est-ce que l'enfant doit-il être présent au premier entretien? Alors moi, je pense que tout dépend de ce qui est évoqué. Si certaines informations sont inentendables par l'enfant, si les conflits familiaux, par exemple, sont trop aigus, si les inquiétudes et la culpabilité liées à certaines situations ne permettent pas de parler devant l'enfant sans être submergé par l'angoisse, alors non, il est nécessaire de laisser l'enfant en dehors de l'entretien. Et puis, on peut aussi nous-mêmes... les professionnels, si en cours d'entretien, on voit que l'enfant souffre, eh bien de demander à l'enfant de sortir, à la famille, de dire, eh bien, il va nous attendre un moment en salle d'attente. Moi, je le pratique un peu comme ça. Je le fais sortir quelquefois du bureau lorsque les problématiques sont trop fortes. J'étais surpris un soir de janvier, comme ça, il était tard. Une famille m'avait demandé un rendez-vous. Alors, j'avais accepté, mais... peut-être tardivement, trop tardivement, ça les arrangeait, eux, par rapport à leur travail. Et donc, voilà, un soir de janvier, c'est important, parce que dehors, il faisait noir, froid, du vent. Donc, les conditions étaient un peu même dures pour chacun. Et j'ai souvent évoqué cette situation. Une maman et son garçon s'assied devant moi. Et elle me raconte qu'elle a perdu son bébé après 2 ou 3 semaines de vie. À naissance, et elle commence de me raconter tous les détails devant l'enfant. Vous voyez. Alors moi, déjà, je suis touché par cette situation. Hein. Il faut déjà que je fasse face à moi, à ce qui m'arrive, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, comme ça, qu'on me déballe toutes les choses aussi crûment. Alors je lui ai demandé, évidemment, à l'enfant de sortir, et je lui ai dit, on va demander à votre fils d'aller nous attendre. Il avait 10 ans, ce garçon, d'aller nous attendre dans la salle d'attente. Et alors elle s'est récriée. Non, non, c'est pas la peine, il est au courant de tout. Mais lui, il était figé, il était au courant de tout depuis le début, mais il était justement, il nous montrait des symptômes traumatiques. Mais, évidemment, il y a aussi le choix des parents de laisser l'enfant en dehors de l'entretien, c'est évidemment à respecter. Mais lorsque les conditions sont réunies, pour que l'enfant puisse participer à... même au premier entretien, je trouve que c'est important, parce qu'il va comprendre clairement que c'est de lui dont il s'agit,
de lui dont vont parler les adultes, et on va parler d'une manière très claire devant lui, que les problèmes évoqués ne sont pas forcément de son fait, mais que tous les proches, à la maison ou à l'école, sont concernés, qu'il n'y a pas un enfant symptôme. Et c'est souvent pour l'enfant, je trouve, fécond d'une double découverte, l'existence d'une souffrance qui lui est attribuée. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas du tout conscience de ce qui leur arrive, des troubles qu'on leur allègue. Donc l'existence d'une souffrance, et puis aussi l'intérêt que des adultes, autres que ceux de la famille proche, lui portent. Alors, réglage de l'empathie. Je trouve aussi qu'il est important d'avoir un premier entretien avec l'enfant parce que ça permet, c'est un avantage de cet entretien préliminaire lorsque l'enfant participe à cet entretien, c'est qu'il va permettre cet entretien un ajustement, vous voyez, trouver la bonne distance, se mettre intuitivement à la place de l'enfant pour le psychologue et vice-versa dans une certaine mesure, de ressentir la même chose que lui, de s'identifier un peu à l'enfant. Moi, j'appelle ce petit travail psychique du psychologue et de l'enfant une forme de réglage de l'empathie. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans les entretiens auxquels participent les enfants, c'est de s'intéresser, on va voir dans la situation d'entretien avec l'enfant, parent, un peu les rapports d'autorité, comment s'organisent les rapports d'autorité dans la famille. Dans notre société, vous savez maintenant, l'autorité abusive, systématisée, n'occupe plus le devant de la scène clinique. C'est très rare qu'on observe cela dans nos consultations. En revanche, on observe plutôt une autorité qu'on pourrait qualifier de dysfonctionnelle ou d'insuffisante. Cette autorité-là, dysfonctionnelle, insuffisante, qui domine la consultation. Alors, une autorité permissive, vous voyez, tolérante, positive, certes, mais peut-être souvent trop compréhensive, trop explicative, en tout cas de mon point de vue à moi. Alors, dans un entretien, parfois, moi, j'entends les procédés du discours, les « non, mais si », vous voyez, « non, oui » ou les « non, mais ». Malheureusement, toute une petite musique comme ça que j'appelle la petite musique de la culpabilité et de l'ambivalence parentale. Alors évidemment, ça ne va pas être des éléments objectifs qui vont, des éléments objectifs d'anamnèse, mais ça mettra en couleur les relations familiales, on les comprendra mieux parfois. Alors, ce qu'il en est des entretiens avec les adolescents. Quelques phrases. Dans une approche qu'on pourrait dire collaborative, il est absolument nécessaire que l'adolescent participe à l'entretien et même qu'il exprime son point de vue, voire qu'il conteste ce qui est dit, et qu'il est aussi important de définir avec lui le contenu de l'examen, de lui présenter les épreuves. Si on fait une épreuve projective avec un adolescent, il faut lui dire un petit peu ce qu'il en est, parce qu'il va bien se douter que par-devers lui, on veut essayer de comprendre des choses. J'avais rencontré comme ça un jeune garçon de 14 ans à qui je faisais un Rorschach. Et il me disait « Je vois bien où vous voulez en venir, monsieur Cognier. Vous voulez voir si la violence que j'ai au collège, je l'ai aussi en moi. » Et alors, je l'ai vu ce samedi, là, celui-ci. Et il est entré à l'armée. Voilà. Dans une école d'officiers, vous voyez. Donc, il a trouvé une façon d'organiser ce qu'il avait en lui. Bon, alors avec les adolescents, il est évidemment aussi nécessaire de créer une bonne alliance de travail, hein, sans bien entendu entrer dans une relation de séduction. Alors j'indiquais sur mon PowerPoint ne pas trop leur parler du collège ou du lycée. En fait, il faut être plus précis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'emblée, il me semble, par expérience, ne pas trop leur parler des problèmes scolaires, de la problématique scolaire d'emblée. Car c'est très souvent, on peut parler du collège, du lycée pour les... Parler du collège, du lycée pour ce qui s'y passe, pour les rencontres qu'on y fait. Mais vous savez,
c'est le thème principal, la problématique scolaire, c'est le thème principal du discours des parents, souvent à l'exclusion de tous les autres. Les adolescents se plaignent souvent de ne pouvoir parler avec leurs parents que de ce qui fâche, dans les relations scolaires. Alors il y a, et puis les professeurs, évidemment, eux, ils ne parlent que du scolaire. Donc nous, on doit pouvoir parler de la camaraderie, des amis, de la sexualité, du cannabis, si nécessaire. J'ai reçu un jeune ce samedi qui m'a dit que... un jeune un peu plus grand, un lycéen, qui m'a avoué qu'il fumait du cannabis. Alors, comme ils le disent, je fume du cannabis, mais du cannabis récréatif. Par là, ils veulent dire que c'est en groupe. Hein ? Et puis pas le matin avant d'aller à l'école. Voilà, donc on a pu parler du prix, comment il payait son cannabis. Alors il y a de l'entraide entre amis, quand il y en a un qui n'en a pas, c'est l'autre. Voilà, on s'entraide, etc. Mais il m'a dit, vous êtes le premier adulte qui est au courant de ça. Voilà. Donc, je veux dire, on a une place, même si on part pour un bilan, il ne faut pas oublier et essayer d'éviter de trop rentrer que dans les problématiques scolaires. Et puis, alors, un mot pour vous dire, je pense qu'il faut, dans la dynamique de l'entretien, privilégier le comment au pourquoi. Vous savez, le pourquoi, les questions sur le comment sont plus fructueuses que celles sur le pourquoi. Pourquoi tu fumes du cannabis, par exemple ? Ben, pourquoi ? C'est compliqué. Comment tu le fais ? On va pouvoir rentrer dans quelque chose. Les pourquoi demandent toujours une explication. Les pourquoi suscitent des rationalisations. On va avoir un discours rationnel. Demander à quelqu'un pourquoi il fume, tout simplement. Pourquoi il ne s'arrête pas de fumer ? Oui, mais parce qu'en ce moment, vous savez, j'ai trop de travail, je ne peux pas. Voilà, on va avoir des rationalisations comme ça. On ne va pas pouvoir arriver à quelque chose de plus profond. Et ça clôt, le pourquoi clôt les voies associatives. Alors que le comment, il n'exclut aucun type de réponse et permet même d'établir des liens avec des éléments qui ne pourraient pas prendre leur place dans une explication. C'est mes remarques de ma pratique. Alors pour conclure, vous le savez, classiquement, pour conclure ce bref panorama sur l'entretien clinique préliminaire, classiquement, l'entretien, particulièrement avec un psychologue, est associé à l'idée que ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de partager avec quelqu'un ce qui pèse. Vous le savez, la représentation par la parole a une valeur cathartique. Tu verras, ça ira mieux après. Ça ira mieux après en avoir parlé. On en parle à un ami, on en parle à un collègue quelquefois, quand toutes les choses nous pèsent, et on en parle avec le psychologue lors du bilan. Et nous le vérifions toujours, nous, que lors des entretiens que nous menons à l'occasion d'un bilan psychologique, que ça a fait du bien d'expliquer les choses, de parler. Et puis nous savons aussi que ce qui fait du bien, c'est aussi cette expérience selon laquelle la vie émotionnelle troublée, perturbée, la vie familiale douloureuse, la vie scolaire difficile, les troubles d'apprentissage ou de comportement, ils vont trouver un espace dans lequel ils puissent être reçus, entendus, mis en perspective. On va les insérer dans le continuum de vie du développement de l'enfant, mis en perspective et surtout compris. Vous le savez, ce qui est important pour le sujet, pour sa famille, c'est de trouver un espace de compréhension. Et l'examen psychologique en est un essentiel où la difficulté, le trouble peuvent être envisagés, compris et du coup contenus. Voilà où je voulais en venir et je vous remercie de votre écoute attentive.